Bonjour à tous, bienvenue au webinaire DispoSuite. Nous avons le plaisir de vous montrer un aperçu de cet outil. Moi-même, je suis Xavier Wright-Moser, je suis chef de produit pour cette gamme d'appareillage de protection. Je vais prendre dans ce webinaire, je vais être l'animateur pour toutes les questions et puis le déroulement. Je passe les mots à notre collègue David qui va faire une petite présentation. Merci Xavier, bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire DispoSuite. Mon nom est David Wagner, je suis conseiller commercial pour Schneider Electric sur la distribution chez les installateurs électriciens en Suisse romande. Puis j'ai le plaisir aujourd'hui avec mon collègue Xavier de vous faire une démo de notre super logiciel. Merci David. Je passe à l'introduction de DispoSuite. DispoSuite, c'est un outil basé sur web qu'on a commencé à lancer il y a 2 ans en arrière. On avait une évolution de chaque mois, de plus en plus, de fonctionnalités qu'on a introduites. Finalement, ce qu'on peut faire, on peut faire une disposition des coffrets pour plusieurs appartements ou aussi de tableaux de comptage. Et puis finalement, on peut créer des projets avec plusieurs coffrets. Et puis ces coffrets sont aussi plusieurs fois, plusieurs fois multipliés. Ça veut dire qu'on a tout un déroulement de projets qui est dedans, qui vous supporte. Puis finalement, ça génère des légendes, des plaques signalétiques. Et puis aussi, si c'est demandé un protocole de vérification individuelle. On a aussi des fonctions supplémentaires, il y a des hiérarchies au niveau des projets. Et puis aussi, ce qui est important, vous pouvez partager votre projet. Alors, vous pouvez le partager en extérieur ou en interne dans votre compagnie, il y a toutes ces possibilités. Le suivi du webinaire sera comme ça, on a 3 étapes. La première étape, c'est David qui va nous montrer une configuration d'une distribution encastrée avec le programme multi. C'est là où vous pouvez aussi faire avec. Si vous avez 2 écrans, vous pouvez aussi essayer de suivre. S'il n'y a pas la possibilité, c'est aucun problème. La deuxième étape, ce sera la configuration d'un tableau de comptage PrismXX. Là, ce n'est pas prévu de suivre un sur un. Et puis, en troisième étape, ce sera, on va parler des conseils et puis des astuces. On va passer à la première étape. Il s'agit d'une configuration d'un Pragma Multi. D'un côté gauche, il y a un champ DIN, puis de l'autre côté, un champ multimédia. Alors, je passe la parole à David. Merci Xavier. Pour cette configuration. Donc, je vais enchaîner. Donc, on va partir sur la partie pratique. Donc, première chose, quand on tombe sur le logiciel DispoSuite, on tombe sur la page qu'on voit à mon écran actuellement. Donc, sur cette première page, on a la possibilité de créer un nouveau projet grâce à cet onglet bleu qu'on voit ici. En créant un nouveau projet, on peut lui donner un nom, on peut affecter un client, on peut mettre certaines coordonnées, etc. Donc moi, aujourd'hui, j'ai créé mon projet qui s'appelle Webinaire DispoSuite en français. Une fois que j'ai créé mon nom de projet, donc on voit un petit peu les informations que je dois mettre. Donc, il y a directement le nom du projet, la date, la description, le nom du client, le lieu du chantier, etc. Donc, mon projet est créé. Maintenant, je peux créer une distribution. Je peux en créer infiniment. Donc, premier coffret que je veux faire, donc coffret numéro 1, ça va être un coffret multimédia. Donc, distribution d'un côté, multimédia de l'autre, encastré avec notre solution Pragma Multi. Donc, je vous montre un petit peu. Donc, en sélectionnant le premier coffret, j'ai l'assortiment des coffrets qui s'offre à moi. Du coup, j'ai du distribution multimédia et courant fort encastré, multimédia et courant fort apparent, multimédia et courant fort universel. Universel veut dire que je peux mixer le courant fort et le média l'un sous l'autre, l'un à côté de l'autre, ou peu importe, il n'y a pas de prédéfinition à l'avance. Ensuite, j'ai la partie distribution électrique pure en encastré, en apparent, et notre solution CX low cost. Si je continue, j'ai la partie étanche, j'ai des coffrets étanches, IP55 d'un côté, IP65 au milieu, et même tableau de comptage dont j'aurai le plaisir de vous parler plus tard. Aujourd'hui, on a choisi de vous faire une démonstration avec le Pragma Multi, notre solution
multimédia, droite, gauche, encastré. Donc j'ai sélectionné mon coffret. Une fois que j'ai sélectionné, ben, je peux lui donner un nom. Ça peut être le coffret 1, ça peut être l'appartement 2 pièces et demie, ça peut être, voilà, je le nomme en fonction de l'utilité qu'il aura. Une fois que je l'ai sélectionné, ben, je vais sélectionner sa taille. Donc j'ai du 4 rangées, j'ai du 5 rangées, j'ai du 6 rangées, etc., etc. J'ai plusieurs dimensions à choix. Ce n'est pas grave si la dimension elle est fausse pour l'instant. On pourra toujours revenir en arrière et redimensionner le coffret si on se rend compte pendant le placement des disjoncteurs que la place est insuffisante. Donc je passe maintenant sur la partie distribution. Distribution, donc, c'est l'intégration des produits dans le tableau. Donc l'avantage, c'est que là, vous avez tout le catalogue Schneider Electric à disposition. Je le résume rapidement. Donc on a l'IC40. L'IC40, c'est le Schneider Electric Clario. Clario, c'est des disjoncteurs jusqu'à 40 ampères, en 4,5, en 6 et en 10 kg de pouvoir de coupure, avec des courbes C et D et B. Je vous montre un petit peu comment ça marche. Donc directement LS pour disjoncteur, disjoncteur monophasé, disjoncteur triphasé avec le neutre, disjoncteur triphasé sans le neutre. Donc si je prends un produit et que je le glisse dans mon coffret, donc là typiquement j'ai pris un triphasé avec neutre, je peux lui choisir son intensité nominale, sa courbe de déclenchement, son pouvoir de coupure et surtout son numéro d'étiquette sur les plastrons, son symbole qui apparaîtra sur le schéma électrique et une description que j'aurais fait préalablement manuellement, type local électrique au troisième sous-sol, etc. Je fais le même procédé pour toute ma distribution. Donc, je vous ai montré les LS, les disjoncteurs. Maintenant, je vais vous montrer rapidement les FI-LS. Donc, en FI-LS, on a la partie monophasée, triphasée. On voit qu'on a deux types de FI-LS. On voit qu'on a du Clario IC40 et du IC60 d'une gamme différente Schneider Electric. Par prédéfinition, dans le résidentiel, nous travaillons essentiellement en Clario pour une question de prix, de fonctionnalités et autres. Donc, je prends ma distribution. On voit que j'ai déjà mis des FI-LS mono. Donc, ce modèle-là a été placé ici. Un second FI-LS mono pour l'éclairage. J'ai bien marqué qu'il est lié à un télérupteur pour la lumière de couloir. Où se trouvent les télérupteurs ? Dans les accessoires, appareils de commutation, je retrouve donc des télérupteurs, des contacteurs jour-nuit, des minuteries que je peux associer directement à un groupe éclairage ou à un groupe tierce. Donc là, j'ai déjà fait mon éclairage, j'ai déjà fait les disjoncteurs pour le raccordement direct. Je vais choisir des FILS pour tout ce qui est groupe triphasé surprise, typiquement machine à laver et sèche-linge. Ensuite, les auxiliaires tels que le contacteur boiler. Donc, je vous montre un petit peu les contacteurs boiler qu'on a à choix. Donc, on a des contacteurs mono, des contacteurs tri, de plusieurs intensités, de 16 à 40 ampères, avec différents contacts ouverts ou fermés, et avec la manette de forçage ou pas. Donc là, j'ai placé directement un contacteur boiler avec manette de forçage en 4 pôles 25 ampères. Je passe rapidement le catalogue. On a toute la partie Clario, on l'a vu ensemble. On reviendra sur les peignes. Je veux un petit peu expliquer qu'on a deux types de peignes actuellement. On a le peigne universel Clario, où le 99% de la gamme est compatible. Et on a le peigne FI qui a tendance à disparaître. Pourquoi le peigne FI a tendance à disparaître? Je vous explique rapidement pourquoi. Parce que nous avons sorti un FI Clario qui est compatible sous le peigne universel. Du coup, le FI IC60 qui allait sous le peigne FI n'a plus aujourd'hui la même utilité qu'avant. Grâce à ce nouveau produit, nous avons maintenant la possibilité de placer des FI, des FILS ainsi que des disjoncteurs sous le même peigne. Très bien. Je fais ma distribution. Je suis au bout de ma distribution. La seconde chose à réaliser maintenant, c'est le schéma électrique. Donc, pour passer au schéma électrique, je coche la case qui est à côté de la distribution. Touc. Le fonctionnement du schéma. On doit parcourir le chemin du courant électrique. Où vient l'alimentation ? L'alimentation arrive sur le bornier supérieur. Ensuite, on passe sur le peigne numéro 1
Et du pain numéro 1, on passe sur le pain numéro 2. Ce qui est très important, c'est que tous les auxiliaires doivent être également raccordés. Le dernier disjoncteur, par exemple, seul en bas, sera alimenté depuis le pain supérieur. Donc je le sélectionne comme ça. Et le contacteur de boiler sera raccordé depuis le disjoncteur qui lui est associé. Donc je le sélectionne comme ça. Maintenant, si je viens sur la partie schéma, je retrouve exactement ce que j'ai fait. Ça veut dire que j'ai les symboles, j'ai les dénominations, j'ai les intensités, voilà, telles que je l'ai dessiné dans mon parcours du courant. Je reviens rapidement sur la distribution. On n'a pas parlé de la partie média. Donc au niveau média, on a un onglet qui s'appelle multimédia. Je vous explique rapidement les articles qu'on a à choix. Donc première chose, au niveau de bloc prise électrique, sur la partie multimédia, on met relativement souvent un multiprise T13 ou une simple prise T13. Deux façons de faire, le multiprise que j'ai déjà inséré là, ou une équerre EasyNet de la gamme Feller. Feller EasyNet propose deux types d'équerres, une équerre pour 16 connecteurs RJ45 avec la possibilité d'y intégrer de l'Edizio Douai, idéalement une 3 fois type 13, ou une équerre pour 8 connecteurs où on aura la place pour du FLF, une fois T13. Voilà. Et le petit nouveau qui dispose de la place pour 4 connecteurs ou, dans le dernier cas, un connecteur unique sur ride-in possible en sommet du tableau. J'ai fait mon média, j'ai fait ma distribution, j'ai fait mon schéma. Maintenant, j'ai une liste matérielle. Le logiciel m'a fourni une liste totale de tous les composants et du tableau en pièces détachées. Qu'est-ce que je peux faire de cette liste? Première réaction la plus facile, c'est de venir faire une copie de la liste matérielle. En cliquant sur « Copie », j'ai plusieurs possibilités. Je peux télécharger un fichier Excel en format CSV où je vais retrouver les numéros LDAS, les références, les quantités, les prix bruts, ou je peux simplement faire une copie dans le panier du grossiste de mon choix. J'ai pris au hasard un des grossistes partenaires, je copie, touf, je rentre dans le panier de mon grossiste, donc dans Outils, Saisir, Import, et je copie ma sélection, je l'ajoute au panier. Et là, directement, via les conditions négociées avec le grossiste, j'obtiens de 1, le délai de livraison, de 2, le prix net, et la possibilité de commander ou de demander une offre à mon grossiste. Très bien. Donc, je repasse dans le dispo suite. Au niveau des documents, il y a plusieurs documents très intéressants. Le logiciel fournit, comme je vous ai dit, un fichier Excel avec ou sans prix. Il fournit également une disposition, donc une face avant tableau, avec ou sans plastron. Par habitude, j'utilise souvent celle sans plastron. Pour moi, elle est plus visible. Donc, je vous sors la face avant sans plastron. Le fameux schéma électrique que j'ai réalisé. Les étiquettes à découper, à coller sur les plastrons, où j'aurai mes numéros de groupe, F1, F2, F3, etc. La plaque signalétique. Sur la plaque signalétique, je vais retrouver mon logo d'entreprise. Je vais vous expliquer après comment on insère le logo dans les documents. Je retrouve le régime du neutre, l'intensité nominale, etc., etc. Et la légende que je vais imprimer et mettre à l'intérieur du tableau, à l'intérieur de la porte. Donc, pour vous montrer rapidement à quoi ressemble une face avant, la face avant, c'est un document sous format PDF, où on retrouve les dimensions du coffret, donc très intéressant pour transmettre au chef chantier ou au monteur sur site qui va pouvoir contrôler l'espacement à disposition pour l'insertion du coffret. Donc directement, on retrouve les appareils que j'ai mis, les intensités, on retrouve également les légendes avec les numéros d'étiquette et l'emplacement de chaque produit. Très bien. Rapidement, une liste Excel avec prix. Tac, en quelques secondes, je peux télécharger ma liste Excel. C'est un document qui n'a rien de sorcier. On y retrouve les références Schneider, on y retrouve les numéros LDAS,
on y retrouve les désignations, on y retrouve les listes de prix brutes, ainsi que le quantitatif pour le tableau que j'ai configuré. Tac, tac. Très bien, la partie Pragma Multi a fait son tour. Je repasse la parole à Xavier. Merci David, beaucoup pour la présentation. Je prends quelques questions en général qu'on a déjà eues. Par exemple, est-ce qu'il est possible de consulter des instructions, des appareils directement via DisposSuite? Un exemple, c'est une horloge ou un compteur, un appareil de tel quel. Peut-être tu peux en parler plus, ça, David. Très bonne question, merci Xavier. Oui, effectivement, on a mis toutes les fiches techniques et les manuels d'utilisation de tous les produits. Donc, je vous montre rapidement, c'est dans la partie distribution. Lorsque j'ai placé un appareil dans mon tableau, j'ai un petit lien PDF en haut à droite, à côté de la configuration. En cliquant sur le lien, je retrouve en fait le lien vers la documentation Schneider, où là, j'aurai les manuels ainsi que toute la dénomination technique du produit. Au niveau certification, au niveau dessin 3D, etc., etc. Et ça, pour chaque produit listé dans le catalogue. Il y a un détail que j'ai omis que je trouve très intéressant dans la partie nomenclature. Si je veux ajouter un produit qui n'était pas listé dans le logiciel reconnaît tous les produits de la gamme Feller et Schneider. Je vous donne rapidement un exemple d'un produit. Je rajoute une référence. Il le reconnaît avec son image, sa référence, son prix, et je peux facilement en fait le rajouter à mon projet si je ne l'ai pas trouvé listé. Et le détail est que je peux également rajouter des produits non Schneider, mais je dois donner l'intégralité des informations. Les prix, l'encombrement, le numéro LDAS et la référence. On n'est pas bloqué à ce que d'autres produits s'ajoutent dans nos tableaux électriques. Merci beaucoup, David. Il y a encore une autre question qu'on reçoit de temps en temps. Comment est-ce que je peux rapidement avoir les contacts d'après pour contacter quelqu'un, pour avoir support par DisposSuite? Quelle est la possibilité qu'on a sur DisposSuite? Merci Xavier. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis votre contact, je suis le commercial sur terrain, je suis avec plaisir à votre service. Mais il est clair que si vous avez besoin d'un contact rapide et que je ne suis pas à disposition, il y a un onglet qui a été mis en place pour votre support. Donc l'onglet, il est en bas de page. Et en cliquant en fait sur cet onglet, vous avez le numéro de la hotline ainsi que l'adresse mail de la hotline. Vous tombez donc à la hotline Feller dédiée à la configuration DisposSuite ainsi que les produits Clario et autres qui vous aideront avec plaisir. Merci beaucoup, David. Alors, nous passons à la deuxième étape. Là, il s'agit d'une configuration du Prisma XS. C'est un tableau principal ou ici, c'est un tableau de comptage. Dans ce cas-là, on a deux champs avec des tableaux de comptage et puis un troisième champ multimédia. Merci David, je te passe la parole. Super Xavier, donc passons maintenant à une introduction de Villa, un tableau de Villa par exemple, avec une planchette compteur, une planchette télécommande, la distribution de la Villa. On a un produit dédié à ça qui se nomme donc le Prisma XS. Comme je répétais tout à l'heure, le Prisma XS, c'est le tableau qui se trouve en bas à droite. Pour commencer sur le Prisma XS, le produit est décliné en trois versions. Deux versions avec 210 mm de profond, avec ou sans porte, avec des indices de protection à l'humidité qui tournent entre IP30 et IP43, selon la présence de la porte. En IP55, on a un produit avec 280 mm de profond, avec la même disposition possible. Donc je sélectionne dans un premier temps le type de coffret qui m'intéresse. Les champs sont la largeur. Un champ est égal à 12 modules de large. Deux champs, c'est 2 fois 12. Et ça, jusqu'à 5 fois. Donc, 5 largeurs possibles. Même chose pour la hauteur. Chaque rangée fait 150 mm d'anthraxe. On peut monter jusqu'à 9 contre le mur et 12 au sol. Aujourd'hui, je vais prendre un standard, 2 largeurs, 7 hauteurs. Quand je passe en mode configuration, j'ai l'intégralité des plastrons à disposition. Je vais les énumérer rapidement. Les plastrons pour bornier. Souvent, on place un plastron pour bornier en sommet de tableau dans l'idée de mettre les borniers d'alimentation et les borniers de départ. Mon bornier n'est pas suffisamment grand, j'ai toutes les tailles à disposition. Maintenant, je peux aussi, via la configuration, modifier la taille de mon bornier.
en hauteur ainsi qu'en largeur. Ensuite, on a tout ce qui concerne le RAID-IN de distribution. On a un RAID-IN modulaire séparé tous les 12 modules. La même possibilité est faite, mais on voit qu'il y a un espace entre les deux. On a le RAID-IN modulaire non séparé, avec ou sans support de câble. Donc si je prends celui sans, avec support de câble, paf, paf, pour la distribution sur RAID-IN. Ensuite, on a des modules totalement vides. On a des planchers de compteur. Quelle est la différence entre nos deux planchers de compteur? On a une planchette compteur qui est normée PDIE, donc 450 mm de haut. Et on a une autre planchette compteur qui est propriétaire Schneider. Pour quelle raison on a fait deux planchettes? Pour le sous-comptage où on n'est pas soumis aux normes distributeurs, on peut utiliser des planchettes plus petites pour gagner de l'espace. Et puis dans les planchettes officielles pour compteur GRD, on va utiliser les 450. Si je passe encore rapidement, on a le boîte à borne pour la mesure des TI. On a le support pour des NSX. On peut poser NSX. NSX est un disjoncteur de force, modèle jusqu'à 250 ou modèle jusqu'à 400 ou modèle jusqu'à 630. On a également le NSX-M qui est le petit frère du NSX jusqu'à 160 ampères posé sur RAID-IN. On a également les interrupteurs de charge, INS. Je vous les montrerai après en tant que produit. Actuellement, je vous montre les plastrons. On a également les modules pour plaques de comptage, on en a parlé. On a également des grilles multimédia qu'on peut venir insérer. On a également des supports pour fusibles HPC. On dit 1, 2 ou 3, voire 4. Maintenant, ce que je n'ai pas dit, c'est que là, j'ai pris pièce par pièce pour construire mon tableau pièce par pièce. On a prémâché le travail quand vous avez besoin de gagner du temps. On a fait des champs complets qui sont totalement prémontés. En un bloc, paf, on a la totalité du tableau qui est monté. Et là, on voit qu'on a différents blocs à choix. C'est clair qu'on est moins modulaire que si on prend pièce par pièce, mais en finalité, on reçoit deux cartons et le tableau est monté. On voit qu'on a des échelles pour la partie média. Je constate que mon tableau il est trop petit. En un clic, je l'élargis et je rajoute mon média. Distribution, etc., etc. Bon, j'ai fini ma configuration. Mon tableau, il est construit. Maintenant, il faut que je le remplisse avec les produits. Donc, pour les remplir, on passe dans l'onglet distribution. J'ai un peu triché, j'ai déjà fait la distribution pour gagner un peu de temps. Donc, j'ai fait une distribution qui me semble la plus optimum. Moi, j'ai mis un bornier d'introduction au sommet du tableau sous les rails à bornier, donc plastron plein avec un DIN plus profond. J'ai fait toute une distribution où j'ai déjà nommé les noms d'étiquettes, les groupes et les désignations. Donc là, je me suis fait une distribution. Par exemple, ça, c'est du triphasé pour machine à laver, machine à sécher. J'ai refait la même chose pour une borne de charge extérieure. J'ai mis plusieurs disjoncteurs lumière. J'ai mis une minuterie pour le couloir. J'ai mis deux disjoncteurs triphasés 16 ampères pour les raccordements directs. Ainsi que d'autres disjoncteurs lumière et prise. J'ai rajouté en option le contacteur boiler pour la pompe à chaleur et j'ai rajouté une horloge multicanaux pour l'éclairage extérieur. Deux planchettes. Une planchette qui va être dédiée au compteur GRD et une seconde planchette qui va être dédiée à la télécommande. Je sais que certains compteurs intègrent la télécommande en une pièce. Si c'est le cas, on mettra qu'une planchette, pas de problème. J'ai équipé le tableau d'un parasurtension qui se trouve aussi dans la liste de matériel. En type 1 plus 2, je transiterai avec l'alimentation à travers, ainsi qu'un disjoncteur d'abonné. Disjoncteur d'abonné, c'est trois disjoncteurs mono pentés par le neutre pour éviter toute défaillance d'un des pôles qui mettrait en péril l'intégralité de l'alimentation. Donc le triphasé est séparé pôle par pôle et ça, on crée un groupe triphasé grâce au pontage neutre. Et puis mon fameux 6 ampères pour la télécommande mono. Super, la partie multimédia. On répète un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. J'ai remis une équerre et j'ai remis un multiprise. Au niveau fonctionnalité, donc une fois que j'arrive là, ma nomenclature, c'est pareil qu'avant. Je la télécharge, j'ajoute des produits qui sont non listés et je génère les fameux documents. Donc on a bien dit tous les documents qui étaient à choix, ainsi que l'étiquette et autres. Je tiens à préciser une chose. Aujourd'hui, nous n'avons pas développé le schéma sur le Prisma XS.
pour la raison qu'on retrouve souvent dans les soumissions ou dans les constructions de tableaux des schémas préfaits par les planificateurs ou les ingénieurs. On pense que le schéma sur la partie Prisma XS n'est aujourd'hui pas une nécessité absolue, alors que dans les tableaux de distribution d'appartements, c'est plus flagrant. Je passe la parole à Xavier. Merci beaucoup, David. Alors, quelques questions qu'on a. Une question, c'est qu'est-ce que passe-t-il avec le projet si jamais celui qui a fait le projet, qui quitte l'entreprise, et puis après le projet, peut-être une réponse pour ça? Oui, très bonne question, Xavier. Effectivement, on a tous peur qu'un de nos chefs de projet réalise de très belles choses, quitte l'entreprise, et puis il faut recommencer à zéro. On a réfléchi à la problématique, on a réalisé la chose suivante. Quand on crée un compte sur DisproSuite, on a toujours un admin et des users. L'admin, par définition, ça va être souvent le patron ou quelqu'un de plus haut placé dans la société. Et les users vont être les utilisateurs qui risquent effectivement de quitter à terme la société dans laquelle ils travaillent. Moi, par exemple, je suis un user et mes responsables sont en admin. Du coup, on voit que sur mon projet, Monsieur Braourly est donc le master et moi je suis le user. Donc le master en tout temps a la possibilité de venir récupérer mon projet. De plus, on a mis une sécurité supplémentaire en place. Si le master, par X raisons, ne retrouve pas le projet, nous avons accès à la banque de données, mais de façon anonyme. On ne peut pas voir qui a quoi. Par contre, on peut, selon votre demande, aller récupérer les projets que vous auriez éventuellement perdus. Merci beaucoup, David. Il y a donc encore une autre question concernant le partage du lien. Il est unique. Pourquoi doit-on donc créer plusieurs liens pour plusieurs personnes? Peut-être tu as une réponse pour cette question-là. Oui, exactement, Xavier. Je n'ai pas parlé de ça. Donc effectivement, quand j'ai fini mon projet, si quelqu'un d'autre doit faire la réalisation que moi, je peux, à la place de lui transférer plein de documents, je peux simplement lui partager le projet pour qu'il puisse se connecter à DisproSuite et visualiser, modifier, télécharger. Donc comment on fait? Là, je suis dans le projet, donc webinaire DisproSuite FR. Ici, j'ai les membres du projet. Aujourd'hui, les users qui ont accès à ce projet, c'est moi, Xavier. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller télécharger le fameux lien que Xavier parlait. Ce lien, je l'envoie par mail aux collègues X ou Y à qui l'accès est nécessaire. Le lien est valable qu'une seule fois. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que le lien il se balade de mail en mail et puis que des gens à qui je n'avais pas envie de donner l'accès puissent rentrer dans mon projet. Donc, un lien, une personne. À chaque fois que je veux rajouter un utilisateur, je lui renvoie un nouveau lien. Merci beaucoup, David. Alors, on passe au conseil et puis astuces. Alors ça, c'est la dernière étape. La question qu'on a, ou peut-être une astuce qu'on veut bien montrer, c'est autour de la gestion de projet. En fait, ça, on a bien parlé. Après, une deuxième astuce, c'est insérer le logo de l'entreprise. On a cette possibilité-là. Je pense que, ouais, je laisse montrer comment on peut le faire. C'est vrai, Xavier. Quand j'ai téléchargé tout à l'heure la face avant du tableau, par exemple, j'ai pu insérer le logo de mon entreprise. Donc, je vous montre rapidement. Donc, en cliquant sur mon profil, dans Paramètres, ici, je peux insérer n'importe quel logo. De base, c'est le logo DisproSuite. Et en naviguant dans la mémoire de mon ordinateur, je peux sélectionner le logo de mon entreprise et l'insérer. Donc, par exemple, si je prends Document Projet, puis que je viens sortir une face avant d'un tableau, donc je télécharge la face avant, tous les documents que je vais transférer à X personnes seront à l'effigie de ma société, comme on le voit ici. Et je pense que c'est très important, ainsi que mes coordonnées en tant que professionnel. Merci, David. Alors, la troisième astuce, c'est les variantes de transmission de la nomenclature au grossiste. David, il a bien montré ça. La quatrième astuce, c'est les liens complémentaires sur les produits, fiches techniques, instructions. Il y a encore un sujet
de temps en temps que je reçois, c'est surtout concernant les fichiers 3D. Des fois, on a des demandes, des fichiers 3D. Peut-être tu peux montrer encore une fois comment on peut accéder les fichiers 3D par cette possibilité, David. Oui, c'est juste, Xavier, c'est vrai qu'on a beaucoup de bureaux d'études qui nous demandent les fichiers CAD 3D en différents formats. Je vous explique rapidement. Donc, en fait, c'est le même astuce que tout à l'heure. Quand je vais dans la partie distribution, si je sélectionne un produit, en cliquant sur le fameux lien, j'ai la possibilité de télécharger toutes les modalités 3D du produit. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. On retrouve en fait des fichiers dans différents formats, des DWG, des XF, etc. LPDF pour les gens qui ne possèdent pas ces logiciels. On retrouve en fait l'effet 3D des produits et du dimension. C'est vrai qu'on nous demande régulièrement ce genre de documents dans la partie ingénierie. Merci pour ta question, Xavier. Merci, David. Alors, nous arrivons vers la fin de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre participation et puis surtout merci beaucoup, David, pour la superbe présentation. Nous rappelons encore une fois pour participer à l'enquête. Alors, je vous prie de participer ces quelques questions. Je pense que ça va assez rapidement pour vous. Ça va nous aider. Avant de nous quitter, il y a une information des informations plus importantes qui seront affichées à la fin du webinaire. Nous espérons que vous avez bien pu en profiter de ce webinaire et nous remercions beaucoup pour votre participation, vos questions très intéressantes et nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tous et au plaisir de vous revoir sur le terrain et à disposition. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au Au revoir. revoir à tous.